Alors, petite vidéo pour vous parler de... Parce que je fais aussi des vidéos sur ce que je vois. Ça peut être des films, des documentaires. Et bien entendu, puisqu'on est toujours sur Johnny, j'ai vu le fameux Johnny par Johnny. Or, il y en a qui m'avait dit, ouais, ça parle que de sa vie privée, on voit que Laetitia, ou Adeline, etc. Alors moi, j'ai dit, je verrai par moi-même. Donc j'ai regardé, et finalement, j'ai trouvé ça pas mal du tout. Alors, je suis sûr, c'est pas parfait, hein. Mais je trouve que déjà, ils ont bien résumé sa carrière. Alors déjà, les deux premiers épisodes, c'est l'époque Sylvie, hein, c'est ses débuts difficiles, etc. Puis c'est la grande star, hein, le Elvis Presley français, quoi, hein, dans les années 60, tout ça. Puis après, on voit ses hauts, ses bas, tentative de suicide, voilà. Hein, enfin, tout ce qui s'est passé, quoi. Donc voilà, ça, c'est pas mal. Et puis, à partir du troisième épisode, on arrive dans les années 80, et là, on voit, parce que... Pour certains fans, ça va encore leur faire mal aux oreilles, mais Johnny a été has-been. Ils ont tous eu un moment, même Elvis Presley ou Michael Jackson, ils ont tous eu un moment comme ça en baisse, où c'est devenu des sortes de ringards, quoi. Donc Johnny, il a surfé là-dessus, et souvent, souvent ce qu'on disait, il se marie, histoire qu'on parle de lui. D'ailleurs, c'est Gil Dott qui le dit lui-même, hein, c'est pas moi. Hein. Donc voilà, ça c'est dans le 3. Dans le 4, là on voit Adeline, hein. Alors là, c'est l'amitié longue crise qui explose. Là, je dirais que c'est le moment malaise du document, parce que c'est chaud avec Adeline. Hein. Alors, elle le fait comprendre. Hein. Il a eu des relations avec, je ne sais même pas si elle avait 16 ans. Bon, à l'époque, ça passait peut-être. Maintenant, ça passerait plus. Hein. C'est bien, avec les ayatollahs, les wokistes, les machins, ça passerait plus avec les féministes. Mais bon, donc, il parle de ça. Et puis, dans le dernier, là, on voit, c'est le Johnny Superstar, c'est celui qui a vaincu toutes ces galères, c'est cette Johnny qui est récupérée par Michel Berger, puis Jean-Jacques Goldman, et puis qui fait les concerts qu'on a tous vus, hein, les Parcs des Princes, Stade de France, Tour Eiffel, etc. Là, Johnny, ça devient la Tour Eiffel. Donc ça devient notre idole à tous, hein, ça devient une légende. Donc, dans l'ensemble, c'est pas mal fait. Moi, j'avais peur justement que ça traite trop de sa vie privée. Alors bien sûr, mais c'est bien parce qu'ils mettent toutes ces femmes. Hein. On voit aussi bien Sylvie, Nathalie Baye, comment ça s'appelle, un éclair Babette, parce qu'il s'est marié quand même avec. Et puis bien sûr Adeline. Et puis naturellement la dernière, Laetitia. Bien sûr, ils n'ont pas montré ces nanas entre deux, hein, bien entendu. Mais au niveau de sa carrière, c'est vachement bien fait. Ça va de, c'est universel, hein, donc ça va de 60 à 2000 à peu près. Hein, ça va jusqu'à la Tour Eiffel. Alors, ce qui est bien en plus, c'est qu'on voit la préparation du Parc des Princes ou la catastrophe du Stade de France. J'y étais, enfin, je suppose qu'il y en a pas mal d'entre vous qui y étaient aussi. Bon, voilà, c'était franchement chouette. Bon, j'ai trouvé ça pas mal. J'ai regardé ça en une traite. Ça dure à peu près un peu moins de 3 heures. Tout confondu, ça doit faire ouais, un petit 3 heures quand même. Mais on voit pas les 3 heures parce que c'est vachement bien fait. Et au lieu d'avoir des blablabla, ceux qui sont interrogés, donc Obispo, Lynn Renault, enfin tous ceux qui ont traversé la vie de Johnny, bon, ils parlent, il est juste marqué Lynn Renault, ou alors Pascal Obispo, ou Gil Dott, etc. Donc ça, c'est bien aussi, parce qu'on les voit pas, ils se montrent pas, etc. Et par exemple, quand on voit le fiasco de Las Vegas, on voit Lynn Renault, elle l'a pas raté, elle a dit, c'est ça Johnny, enfin, parce qu'elle a eu des échos, elle était connue à Las Vegas. Donc forcément, enfin c'est vrai que c'est un vrai fiasco Las Vegas, ça c'est vrai que c'était pas top. Pas les chansons, mais disons que le concert et tout ça, enfin ça n'a pas pris. Puis les fans, s'ils entendent pas Tennessee Land, ils sont perdus. Ça c'est pas les vrais, mais bon, c'est comme ça. Mais voilà, mais pour faire une conclusion de ce Johnny par Johnny, je le conseille quand même, tout fan de Johnny d'avoir ce documentaire, c'est quand même pas mal fait, c'est bien, et puis on voit des images inédites, c'est compliqué à dire, mais des fois j'ai vu des images quand même assez rares, par exemple le Palais des Sports 69, il n'y avait pas tellement d'images à l'époque. Là, on le voit quand il combat avec le boxeur, le champion du monde, tout ça. On voit les gars qui crachent du feu et tout, enfin, tout ce qu'il y avait dans le spectacle, la préparation, etc. Ça, j'ai trouvé ça assez génial. Ils ont retrouvé des images comme ça, de 69, de 76, du parc de 93, etc. Et puis du Stade de France, on voit Bernard Schmitt qui pleure, et puis l'autre là qui est catastrophé, Camus, qui est... S'il y avait eu 3 jours de flotte d'affilée, ils étaient ruinés, hein. Aussi bien Johnny que Camus. Hein. Il y avait quand même 30 millions d'euros en jeu. Hein. Donc voilà, c'est dire. Donc on voit bien que sa vie, elle a tenu un fil. Et puis là-dessus, même quand on voit sa vie privée, on voit avec ses musiciens, puis on le voit aussi les accidents qu'il a eu de bagnole, de moto,
sa survivance, ce mec. C'est pour ça que ceux qui disent, ah ouais, il n'est plus là. Et vous rendez compte qu'il a vécu pratiquement 75 ans. C'est un miracle. C'est franchement un miracle. Enfin voilà, c'était mon avis sur ça, Johnny, par Johnny. Franchement, je le conseille. Voilà. Franchement, je vous le conseille. Voilà. Allez. On se retrouve pour d'autres vidéos. À bientôt. Ciao.